Mystère de l'aube. Éternelle renaissance du soleil qui inonde de ses rayons les eaux du Gange. En Inde, terre de très grande spiritualité, un tel spectacle ne peut être que l'œuvre des dieux. Le Gange est bien plus qu'un fleuve, c'est une déesse. Ganga, descendue sur Terre pour sauver l'humanité. Née il y a plusieurs millénaires sur les rives du grand fleuve, Benares, Varanasi, son nom en sanskrit, est aujourd'hui la ville sacrée des hindouistes. Chaque année, ils sont des millions à venir ici faire un yatra, un pèlerinage. Venir à Benares, se baigner dans les eaux du Gange et atteindre ainsi le moksha, la délivrance, est pour chacun d'eux le but de toute une vie. L'activité spirituelle se concentre sur les ghats, les escaliers qui, sur plus de 5 km, descendent vers le fleuve. Chaque matin, habitués et pèlerins s'y retrouvent pour faire leurs ablutions. Venus de toutes les régions de l'Inde, ces derniers, moins au fait des rituels, ont donc recours au service des pandas, les prêtres brahmanes. On dit qu'il suffit d'une seule immersion dans le Gange, à Varanasi, pour vous laver de toutes les mauvaises choses de cette vie et de celles de vos vies précédentes. La prière la plus importante dans la vie des hindous, c'est « Chacun en ce monde doit être heureux. » Chacun en ce monde doit être courageux. Chacun doit regarder l'autre avec amour. Ô Dieu, ô Gange, notre mère, si vous réalisez tout cela, alors si la plus petite souffrance subsiste encore en ce monde, je suis prêt à la supporter. Le Gange prend sa source au cœur de l'Himalaya. Traversant tout le nord de l'Inde, il atteint au terme d'un parcours de plus de 2500 km le golfe du Bengale, où il se transforme en un gigantesque delta. Le Gange, un fleuve sacré qui féconde la terre et nourrit l'esprit. Le Gange, au regard de la mythologie hindoue, naît du vase de Brahma, le créateur. Le créateur tient ce vase, d'où l'eau s'écoule. Elle lave alors les pieds de Vishnu, le protecteur, avant d'atteindre la tête de Shiva, le destructeur, puis d'arriver sur Terre. Vous pouvez donc imaginer la dimension sacrée de cette eau, qui porte en elle le pouvoir de la trinité divine de l'hindouisme. Pour essayer de mesurer, sinon de comprendre, la puissance du lien qui unit les hindous au Gange, il suffit de s'installer sur les marches d'un ghat et d'observer ce qui s'y passe. En se faisant raser, ces hommes font le don au Gange d'une partie de leur corps. Les sons et les couleurs sont indissociables dans la perception de l'univers des ghats. Femmes au sari vaporeux sortant du bain et mendiants honorant la Trinité, Brahma, Vishnu et Shiva, sous la forme d'un trident ou d'un tatouage barrant leur front. Thank you.
Près de 60 000 pèlerins viennent se baigner quotidiennement à Bénarès. Une aubaine pour les prêtres, les mendiants, les marchands d'offrandes, les guides ou les loueurs de bateaux. Mais également pour les Dobiwala, les lavandiers. Ainsi lavé dans l'eau du Gange, puis mis à sécher sur les ghats, le linge est à n'en pas douter éclatant. Est-il devenu pour autant plus sacré ? Bénarès a été fondée il y a plus de 3000 ans par une tribu aryenne venue du nord de l'Inde. Sous le nom de Kashi, la cité de la lumière divine, elle devient très vite un lieu sacré pour les hindouistes. Mais à partir du XIe siècle, la ville est conquise par les envahisseurs musulmans. Pillée, détruite, reconstruite, puis détruite à nouveau, Bénarès traverse les siècles pour offrir aujourd'hui le visage étrange d'une ville où les mosquées et les palais moghols se mêlent au temple dédié à Shiva. Les ghats sont un peu la vitrine de Bénarès. C'est vers eux que convergent les touristes et les pèlerins. Mais il suffit de s'en éloigner de quelques centaines de mètres pour découvrir une autre ville. Dans un labyrinthe de ruelles tortueuses, où le soleil ne pénètre que faiblement, vit tout un peuple de commerçants et d'artisans. Bien qu'éloignée des rives du Gange, cette ville de l'ombre est tout entière dédiée à Shiva et aux milliers de divinités qui peuplent le panthéon indien. Ici, comme dans le reste de l'Inde, on commerce, on parle, on rit et on regarde passer la mort sans s'offusquer. Quand quelqu'un est mort, les membres de la famille nettoient le corps avec de l'eau et du lait et du beurre clarifié. Après, ils enveloppent le corps dans un tissu blanc. Puis ils fabriquent une sorte de lit en bois avec le fond en bambou. Ensuite, quatre membres de la famille portent le corps sur leurs épaules et quittent la maison. Ramnam Satehe, Dieu est la seule vérité, psalmodiant en boucle ces quelques mots comme pour écarter de leur chemin les mauvais esprits, les cortèges se dirigent vers le Gange afin d'y baigner le corps. Pendant ce temps-là, les autres membres de la famille se rendent chez les marchands de bois. Ils discutent du prix et de la quantité de bois nécessaire. Il faut 360 kg de bois pour une crémation. On ne peut pas peser 360 kg en une fois. Les balances ne vont que jusqu'à 80 kg. Donc, on va peser le bois en plusieurs fois. Et un homme ira le porter sur ses épaules jusqu'au ghat afin de préparer le bûcher. Bénarès, ville sacrée de l'hindouisme, est aussi reconnue pour ses universités où l'on enseigne le sanskrit et l'hindi classique et pour ses écoles de musique traditionnelles qui ont révélé quelques-uns des musiciens les plus célèbres du pays. Gandhi n'a pas toujours été celui de la non-violence,
et l'affrontement religieux avec la communauté musulmane qui a suivi l'indépendance a durablement marqué les esprits. Héritage des longs siècles de domination moghole, Bénarès possède une importante communauté musulmane. C'est là que vit et travaille Tarak, l'un des plus célèbres luthiers de la ville. Dans cette musique, il n'y a pas de religion. Il suffit d'entrer dans un lieu où l'on pratique la musique pour ressentir la grâce de la religion des notes. En matière de musique, toutes les religions se confondent pour les hindous, les musulmans, les sikhs ou les pendjabis. Les musiciens les plus célèbres sont des musulmans et des bengalis, comme Ravi Shankar qui est bengali, ou Imran Khan qui est musulman. Zakir Hussain est musulman aussi. Et moi, je suis bengali. La soirée qui s'annonce va donner, semble-t-il, raison aux propos très œcuméniques du luthier. Le quartier musulman de Bénarès est en pleine effervescence. Éléphants et chameaux s'apprêtent à parader dans les rues de la ville pour fêter dans la joie le sacrifice d'Hussein, le petit-fils du prophète. Au même instant, sur les bords du Gange, une nouvelle nuit de crémation vient de s'engager. Des hommes attisent le bûcher à l'aide de grandes perches en bambou. Ce sont ces mêmes perches qui ont servi à porter les corps jusqu'au fleuve. Le cérémonial est ensuite immuable. L'homme qui porte la torche de paille, c'est le fils aîné, ou à défaut un parent proche du défunt. Il a le crâne rasé et porte un dhoti blanc traditionnel. Après avoir fait plusieurs fois le tour du bûcher, il y met finalement le feu. En choisissant de se faire incinérer à Bénarès, les hindous pratiquants espèrent échapper au cycle des réincarnations et atteindre le nirvana. Mais attention, seules les personnes décédées de mort naturelle ont droit à la crémation. Porteuses d'un mauvais karma, les victimes d'accidents, de maladies ou de morts brutales sont condamnées à voir leur corps rejoindre directement les profondeurs du Gange. La vie, la mort, le jour, la nuit. C'est sans doute pour échapper au cycle infernal du temps que les hindous honorent avec tant de ferveur la déesse Ganga descendue du ciel pour sauver l'humanité. Au cours du Ganga Aarti, qui se tient chaque soir sur le Dasawamed Ghat, de jeunes brahmanes honorent le Gange de leurs prières. Croyants et touristes se retrouvent pour assister à une cérémonie chorégraphiée comme un spectacle. Nous sommes bien loin de l'authenticité du bain matinal. Mais Bénarès a choisi de vivre avec son temps.
Une façon sans doute de conserver l'espoir d'être éternel. C'est à bord du Sukhafa que nous allons accomplir ce voyage à la découverte du Gange et de l'Ougli. Nous approchons de Patna, notre première escale. Le paysage est désertique et la nature des rives laisse soupçonner la présence possible de bancs de sable. Mais cela ne semble pas trop inquiéter le capitaine. Il y a des repères dans l'eau. Le plus souvent, on navigue à l'instinct. En plus, il y a un pilote de la compagnie indienne fluviale à bord. Pour trouver la route, je m'appuie sur mon expérience et sur celle du pilote. On n'utilise ni compas, ni GPS, ni radar. On navigue à l'instinct. Et en suivant les ordres du pilote qui observe le niveau de l'eau. Le Sukhafa a jeté l'ancre au milieu du fleuve. C'est donc à bord de l'embarcation locale servant d'annexe que nous prenons la direction de la rive. Pataliputra, l'ancien nom de Patna, fut la résidence de l'empereur indien Ashoka, qui au IIIe siècle avant Jésus-Christ, contrôlait tout le sous-continent indien. De cette époque, il ne reste aucun vestige. L'arrivée des Moghols au XVIe siècle marque le renouveau de la ville. C'est avec les Britanniques au XVIIIe siècle que Patna retrouve un certain dynamisme. Le Golgar, silo à céréales en forme de ruche, est l'unique témoignage de cette époque coloniale. Avec ses 2 millions d'habitants, ses ruelles étroites où se croisent dans un brouhaha permanent rickshaws, vélos, motos et voitures, Patna est une ville sans charme particulier. Rien ne la distinguerait des autres villes indiennes, si ce n'est la présence d'un grand nombre d'hommes en turbanie. Patna possède en effet l'un des 4 temples les plus sacrés de la communauté sikh indienne, qui compte plus de 20 millions de membres. Guru Nanak, le fondateur, voulut au XVe siècle réaliser une symbiose entre l'islam et l'hindouisme. Har Mandir Sahib, le temple de marbre blanc de Patna, a été construit pour honorer Govind Singh, le 10e et dernier gourou sikh, né ici en 1660. La religion sikh, de mon point de vue, c'est la pure religion hindoue. C'est ça le sikhisme. Pour être un bon sikh, il faut suivre les 5 préceptes du Guru Nanak. Porter les cheveux longs, la barbe, avoir le couteau,
le bracelet. Enfin, ne prendre ni alcool ni drogue et ne pas manger de viande et de poisson. On porte le kirpan, le couteau, pour notre défense, parce que Guru Gobind Singh était à la fois un saint et un soldat. Il faut respecter les paroles de Guru Sahib, tout ce qu'il a dit et tout ce qu'il a fait. Seul celui qui respecte tout cela est un bon Sikh. Ancré dans l'hindouisme, marqué par l'islam et le sikhisme, la province de Patna est également un haut lieu du bouddhisme. Suivant les pas de Bouddha, qui vécut dans la région la plus grande partie de son existence, nous prenons la direction du site de Nalanda. Nous arrêtons en chemin dans le petit village de Bhaktaipur, où se tient une fois par semaine un marché au bétail. Comme chacun sait, les vaches sont sacrées en Inde. Ceci explique sans doute pourquoi la plupart des marchands sont musulmans. Ici, c'est le marché de Bhaktaipur. On vient ici pour acheter ou pour vendre. Ce matin, j'ai vendu 2 vaches. Mais il m'en reste encore 3 qui ne se vendent pas. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir en faire? Nalanda est habité par le souvenir de Bouddha. On raconte en effet qu'il venait souvent méditer ici à l'ombre des manguiers. C'est au 5e siècle avant Jésus-Christ, quelque temps après sa mort, qu'est fondée l'université bouddhique de Nalanda. Jusqu'à sa mise à sac par les Afghans au 12e siècle, elle fut l'un des plus grands centres d'enseignement au monde. L'université de Nalanda a été fondée au 5e siècle avant Jésus-Christ par le roi de Magadha, Kumar Gupta Pratham. Ensuite, les autres rois de la dynastie Gupta ont construit des vihars, des temples bouddhistes. Le nom de Nalanda est composé de 2 mots. Nalam, qui signifie lotus, et Da, qui signifie « celui qui donne ». La fleur de lotus étant le symbole de la connaissance. Nalanda incarne donc l'endroit où l'on transmet la connaissance. Selon le voyageur et érudit chinois Yuan Zhang, qui vint ici au 7e ou au début du 8e siècle, plus de 10 000 moines et étudiants habitaient à Nalanda. Yuan Zhang raconte qu'à cette époque, toutes les sciences connues étaient enseignées ici. Les élèves étudiaient des matières très importantes. Hetu Vidya, la linguistique, la médecine, la géomancie, la théologie et l'astrologie. Ici, on enseignait également les textes sacrés, les Védas Hinayana et Mahayana. Selon l'historien Radha Kumod Mukherjee, chaque jour, on enseignait 100 matières différentes, mais les plus importantes concernaient la religion et la philosophie. Pendant des millénaires, l'Inde a vécu en harmonie avec ses éléphants.
Dans la religion védique, elle les a même sacralisés. Avant de rejoindre notre bateau à Patna, nous faisons donc un crochet par Sonepur, où se tient la grande foire aux bestiaux. Il ne reste plus que quelques éléphants sur la quarantaine arrivés ici au début de la foire. L'énorme quantité de nourriture dont ils ont besoin chaque jour a contraint leurs propriétaires à les éloigner de la ville, au grand désespoir des enfants qui ne se lassent pas de les observer. Depuis quelques années, la foire aux bestiaux est devenue une gigantesque fête foraine qui attire chaque soir une foule considérable. Petit matin, nous reprenons notre voyage sur le Gange. Le capitaine est en contact radio avec le remorqueur qui nous précède. Il nous ouvre la voie, signe que la navigation dans cette partie du Gange pose parfois quelques problèmes. Le problème qu'on rencontre le plus souvent, c'est celui de la profondeur de l'eau. Des fois, on dispose d'un mètre vingt, d'un mètre quatre-vingts ou de trois mètres. Ça varie. On rencontre parfois des bancs de sable qui peuvent nous arrêter quand la profondeur est inférieure à notre tirant d'eau. On a des problèmes parce qu'avec les courants, le chenal se déplace chaque jour. Le premier problème, c'est que le chenal n'est pas fixe. Le second, c'est qu'il n'y a pas de lumière pour naviguer de nuit. On ne peut donc naviguer que la journée. La rivière est trop large et la nuit, on ne distingue pas les rivages. Pour cette raison, on ne prend pas le risque de naviguer la nuit. Nous accostons bientôt au ponton qui conduit à la petite ville de Mongir. Une escale imprévue et de courte durée. Nous sommes bien loin ici du bruit et de la tension qui règnent dans les grandes métropoles indiennes. Mongir, c'est un peu la campagne à la ville.
Alors que nous nous apprêtons à regagner le bord, un petit groupe de femmes vêtues de saris aux couleurs chatoyantes se dirige vers le fleuve, entourant un couple de jeunes mariés. Arrivés au bord du Gange, ils se préparent à faire leurs offrandes. Je m'appelle Deep et mon mari c'est Sachin. Je suis très contente de mon mariage. Ça ne fait qu'une journée que je suis mariée. C'est une tradition pour les mariés. On vient faire la prière et on se baigne dans le Gange. Nous reprenons notre navigation sur le Gange. Le paysage change bientôt de couleur, baigné par la chaude lumière du soleil couchant. Nous approchons de l'île de Jahangira, en face de laquelle le capitaine va jeter l'ancre. Alors que la nuit s'apprête à recouvrir de son voile mystérieux les eaux du Gange, les moines du monastère de Jahangira entament leurs chants et leurs prières en l'honneur du grand fleuve sacré. Le jour qui commence nous invite à l'union du soleil et du Gange. Nous arrivons à Bagalpur. Ah,
Cette ville ressemble aux autres villes baignées par le Gange que nous avons abordées les jours précédents. Mais en tendant l'oreille, on finit par distinguer au bout de quelques instants, au milieu des klaxons et des moteurs de rickshaw qui pétaradent, un son d'un genre nouveau. Un son qui émane des ruelles adjacentes. Bagalpur est une ville de tisserands. Derrière chaque porte se cache un atelier. Devant chaque machine travaille un ouvrier. Les machines gagnent du terrain, mais elles n'ont pas encore réduit au silence les nombreux artisans qui continuent à tisser de façon traditionnelle. On ne pratique pas le tissage uniquement dans ce village, mais également dans les alentours. Bihar Sarix, Mirzat Chauki, Balegat. De nombreux villages peuvent faire ce travail s'ils le souhaitent. On travaille avec un intermédiaire. C'est lui qui nous fournit toute la matière première. Il nous paie seulement pour notre travail. Quand on a fini le travail, on le remet à notre intermédiaire. C'est lui ensuite qui le vend localement ou bien à l'étranger. Le maximum que l'on peut gagner avec toute la famille, les sœurs et les frères, ça va de 60 à 80 roupies par jour. Nous rejoignons le Soukafa ancré au milieu du Gange. Alors que depuis notre départ de Bénarès, le Gange s'écoulait vers l'est, il se dirige désormais vers le sud et le golfe du Bengale. La beauté du geste de ce pêcheur à l'épervier est comme une invitation à ne pas quitter ce village de toute la journée. Le chant des oiseaux, le grincement de la pompe à eau, les cloches qui tintent au cou des chèvres. Nous découvrons avec plaisir les sonorités de l'Inde pastorale.
Rien ne semble pouvoir troubler l'harmonie du village, pas même les singes qui s'attaquent aux récoltes. Cohabitation exemplaire, les vaches et les joueurs de cricket partagent le même terrain. Il y a une équipe et il y a un capitaine. Quand il parle, il faut obéir au capitaine. Il y a un joueur qui garde le wicket, il y a deux batteurs, il y a 10 joueurs et un lanceur. Quel est votre prénom ? Molu Kumar. Santosh Kumar Thakur. Rajesh Kumar. Mera naam Sanjay Kumar. Vikram Kumar Sani. Les cris et les rires des joueurs de cricket ne semblent pas troubler les crémations qui se déroulent un peu plus loin sur les bords du Gange. En Inde, la mort ne s'offusque pas de la joie des vivants. Cette journée de navigation est la dernière que nous effectuons sur le bras principal du Gange. À Faraka, notre prochaine escale, nous allons rejoindre le cours de l'Ougli. En approchant de Faraka, nous entrons au Bengale. Un chef musulman, Ilyas Shah, conquiert la région dès le XIVe siècle. Mais c'est avec la fondation de la dynastie moghole au XVIe siècle que l'islam s'impose à l'ensemble de l'Inde. Les Moghols ont introduit en Inde un style architectural d'un grand raffinement. Le Taj Mahal d'Agra en est naturellement le symbole le plus célèbre. Mais il n'est pas le seul. Un peu partout, au travers du Bengale, les Moghols ont édifié des palais et des mosquées. Mariant avec harmonie les arcades et les coupoles, la Jami Mosquée de Taj Mahal est l'une de leurs plus belles réussites. Thank you.
Après avoir laissé le bras principal du Gange poursuivre son chemin vers l'est en direction du Bangladesh, nous faisons route vers le sud au travers d'un étroit chenal entouré de rizières. Devant nous, barrant la ligne de l'horizon, se dessine le barrage de Faraka. C'est l'envasement du port de Calcutta, situé à l'embouchure de l'Ougli 400 km plus au sud, qui a entraîné la construction du barrage de Faraka dans les années 1970. Une partie de l'eau du Gange est depuis cette époque détournée vers l'Ougli. Pour le Bengale, le grenier à riz de l'Inde, c'est une bénédiction. Pour le Bangladesh, la baisse du niveau de l'eau entraîne une augmentation de la salinité et donc un danger de désertification. À Bénarès, l'eau du Gange est sacrée. À Faraka, elle est vitale pour l'agriculture. Au village de Faraka, comme dans tous les villages du pays, on utilise la bouse de vache séchée pour alimenter le feu de la cuisine. Un combustible assez médiocre, mais gratuit et écologique. Les femmes du village travaillent au champ, s'occupent des enfants, font la cuisine et trouvent encore le temps de confectionner des bidises. De forme conique, ces cigarettes sont faites d'une feuille de kendu, un arbre tropical, et de quelques grains de tabac non traités. Je gagne 55 roupies pour 1000 bidis. Oui, pas plus de 55 roupies. Pendant que les femmes tentent de gagner quelques roupies de plus, les hommes ne sont pas au bar du village en train de siroter un chai charam, le célèbre thé chaud indien au lait et au gingembre. Non, ils n'ont pas le temps. Après avoir récolté et séché le riz, ils sont en train de l'égrainer. Le problème cette année, c'est qu'on n'a pas eu beaucoup de pluie. Et pour faire une bonne récolte de riz, il faut de la pluie. Vous comprenez? C'est Dieu qui donne la pluie. Pour que les gens soient contents, ils doivent faire une bonne récolte. Mais pour ça, il faut de l'eau. S'il n'y a pas d'eau, pas de récolte. Les paysans que vous voyez ne possèdent pas de terre. Ils cultivent donc celle des autres. Ils le font pour nourrir leur famille toute l'année. Et tout ce qu'ils ne consomment pas, ils peuvent le vendre. C'est comme ça. À Bénarès, en commençant ce voyage, nous avons rencontré l'Inde de nos rêves de voyageurs, colorée, mystique et mystérieuse. Mais celle qui s'invite pour notre dernier soir à Faraka, nous ne l'avions pas imaginée. Un mariage. Ces hommes qui s'agitent, cette fanfare de cuivres anarchiques, sont là pour accompagner le jeune homme chez sa future épouse. Si l'origine de la musique semble incertaine, le rituel, lui, est tout à fait local, comme nous l'explique la mère du marié. Demain matin, la fête se poursuivra. On accueillera la future épouse en compagnie de nombreux invités. On accomplira plusieurs rituels. On a même déjà commencé. Aujourd'hui, par exemple, on est allé au Gange pour chercher de l'eau. Et le futur marié était là. Il y avait des femmes avec 4 jarres en cuivre qu'on a remplies d'eau du Gange.
Dernier rituel avant que le cortège ne démarre, la mère lave les pieds de son fils avec l'eau du Gange. Cette longue procession qui traverse le village s'achèvera au bout de la nuit par l'enlèvement de la jeune femme et son retour chez son futur époux, obligatoirement en voiture comme le veut la tradition.